Bonjour, je m'appelle Martina et je vais présenter le projet que j'ai fait. Il s'appelle les dommages du plastique. À première vue, on voit des déchets, mais si on regarde plus profondément, vous pouvez voir un poulpe et un poisson. Les deux souffrent. Le poulpe est étranglé par une corde et le poisson mange un morceau de plastique et il va mourir. Protocole. Je suis allée à la plage pour ramasser des déchets avec ma mère. Après, on désinfectait tout et on laissait les déchets en quarantaine. On trouve des pelles, des bouchons, un corps, etc. Résultat, j'ai collé les morceaux ensemble pour créer les poulpes. Et j'ai collé un morceau de plastique à la bouche d'un poisson jouet. Enfin, j'ai collé les restes de déchets dans un carton. Conclusion. Nous devrons toujours nettoyer après nous-mêmes, car le contraire a de très mauvaises conséquences, comme blesser des animaux. Solution. Une des solutions est... À chaque fois que nous allons à la plage, nous devrons apporter un sac pour mettre nos déchets ou ce que nous trouvons dans la plage. Aussi, on peut utiliser d'autres matériaux à part le plastique pour aider notre planète.